Salut à tous. Donc on se retrouve sur My Big Sister pour ce nouvel épisode. L'épisode je ne sais pas combien. J'ai pas compté, je vous avoue. Je les tourne presque à la suite. Donc on s'était arrêté ici. Dans les précédents épisodes, on s'était fait kidnapper et amener dans ici quoi. Et une femme avec des jambes de genre 3 mètres nous a dit qu'elle voulait prendre le corps de notre sœur. Alors, nous aussi, on aimerait bien prendre le corps de notre sœur, mais bon, soit. Donc, nous avions récupéré un lys rouge, une lampe de poche, un couteau qui coupe. C'est mieux pour un couteau. Et donc, on va voir ce qu'on peut faire de tout ça. Parce que j'ai pas vraiment d'idée en vrai. Je peux toujours aller découper la dame aux grandes jambes avec mon couteau. Mais elle est même pas là. Donc c'est peine perdue. Je ne peux même pas me baigner. C'est tellement dommage. Une aussi bleue. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose ici? D'accord. Non. Très bien. Même si c'est une sorcière qui tient cet endroit, elle continue de relancer le cycle. De relancer le cycle de quoi? Super, on est enfermé. Il doit y avoir une autre sortie. Peut-être. On va se faufiler dans un chiotte et descendre par les canalisations. Y'a que ça de vrai. Bon, on va reparler à Sombria là. Cette dame était bizarre. Arrête, Lucia. On l'appelait... Oui, mais je l'ai déjà lu, ça. Si je te donne une belle fleur... Non. Si je te donne une lampe de poche... Si je te coupe en deux... Ok, ça ne veut pas. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ah, on peut marcher ici. D'accord. C'est pas clair, hein, tout ça, c'est pas clair. C'est un poisson mort, le pauvre. Tu devrais être dans une poêle avec tes amis. Je peux peut-être t'en trouver une. Ah bah voilà. Chaud, froid, chaud, froid. Ouais, c'est un robinet. Bien vu. Oh, mais je savais pas qu'on pouvait marcher ici, là, sur la zone quadrillée en jaune. D'accord. Toi, je vais te donner un poiscaille. Et tu vas me le faire cuire. C'est quoi ça? Eh, des nouilles. Je savais qu'il y avait quelque chose à manger ici. Par contre, je ne crois pas que les cafards faisaient partie de la recette. Je vais prendre les baguettes. Bah voilà! Il n'y avait pas un truc à récupérer avec des baguettes, il me semble. Je peux pas rentrer ici. Oh, c'est fermé. Alors... Alors, je sais pas... Est-ce qu'on peut pas rentrer dans le sauna en crochetant avec des baguettes? Non? Est-ce que je ne peux pas mettre
le poisson dans la douche? Non. Eh bien, ça paraît compromis tout ça. Un sauna. Il y a une jauge de température sur la porte. Bah c'est bien, mais bon. Là, je vous avoue que je ne sais pas quoi faire. Oui, j'ai déjà vu tout ça. C'est complexe. Et je peux sprinter, j'avais oublié. J'ai rien oublié ici, là. Toi, je peux pas te parler. Au fait, où est ton visage? Je n'en ai pas. Mais bien sûr que si, je lui ai donné. Me répète pas le même dialogue. Je peux pas te donner une fleur. Hé, monsieur le boucher, tu peux me dire ce que c'est? Eh, fais attention avec ça. Pourquoi? Tu sais ce que c'est? Une fleur? Ce n'est pas une fleur ordinaire. C'est un lys rouge. C'est un joli nom. Mais pourquoi c'est dangereux? Cette fleur apporte la mort. Ah bah super. Et je suis mort de trop nombreuses fois à mon goût. Oh, et... ça fait mal de mourir? Si ça fait mal... Ah... Bah dis-moi, ça fait mal ou pas? Tu veux pas une lampe? Tu veux pas un couteau? Oui bon, j'ai déjà entendu ça. Bon, apparemment c'est une fleur qui tue. Ah, et monsieur le boucher, tu peux me dire ce que c'est? Hein? C'est un poisson mort. Je le sais déjà ça. On dirait une carpe koi traditionnelle japonaise. Mais ce poisson est mort. Je l'ai retrouvé mort sur la paillasse dans le restaurant. Oh, c'était mon dîner. C'est répugnant. Oui, mais bon. Hé, monsieur le boucher, tu peux me dire ce que c'est? Bah, tu dois... des baguettes. Elles sont très utiles. Et... plus que l'on peut le croire. Comme? Bah, comme te faire partir. Pff, je ne peux pas te... Tu ne peux pas te détendre un peu? Ah. C'est bien beau, mais bon. Je fais quoi maintenant? Là, c'est fermé. Je peux pas tuer la porte avec ma fleur, non? Je vais crocheter la serrure. J'aime pas dans les jeux quand je suis en misère comme ça. Quand je dois chercher genre bien trop longtemps. Tu veux pas un poisson ma sœur adorée? Allez. Tu veux pas des baguettes pour mettre dans tes cheveux? Bon, c'est relou. Là, voyez-vous, je suis quelque peu embêté. Si je ne peux rien faire, ça va être complexe. Et j'ai pas très envie de sortir une vidéo
ou je ne fais rien, ou juste je cherche. C'est un peu naze. Je n'en ai pas besoin de douche pour le moment. Très bien. Mais de quoi as-tu besoin alors? Là, j'ai fait toutes les pièces plusieurs fois. C'est galère. Elle est où la dame aux deux gros arguments et aux grandes jambes? Reviens, madame, reviens. Peut-être que je trouve un carreau rouge, mais où? Ça n'avance à rien. Et la lampe de poche, là, je peux pas m'en servir pour éclairer quelque part? Par hasard? Ça pourrait couper du papier. Est-ce que j'ai besoin de couper du papier? Non, un cadavre de Carpcoy. Une paire de baguettes ordinaires. Oui, d'accord. C'est bien tout ça, mais bon. Vous allez bien, madame, à côté? J'espère. Tu as toujours rien à me dire, toi? Oh si, mais il me l'a déjà dit, ça. Oh, cette galère. Fais-moi bouffer, toi, au lieu de me regarder, là. Avec ta tête de masque. Il y a un bonhomme pendu là, au cerisier. Oh, c'est pas le même là? Ah les bâtards! C'est bizarre, ce dessin semble différent des autres. Tiens, ce mur est fait en papier. Le voilà, le papier! Oh les enfoirés! Il y a deux pixels sur le mur qui sont différents des autres. Déchire doucement. Ah, ça a l'air plutôt sombre à l'intérieur. Oui, je te le fais pas dire. Peut-être qu'une lampe de poche me serait utile. Non, que dalle. Allez. Y a pas un bouton pour l'activer? Oh. Très bien. C'est répugnant et vraiment effrayant. Tu as dit quelque chose, ma chère? Impossible, c'est vivant. Oula, mais tu as une bouche. Comment m'as-tu appelé, ma chère? Non. Non, ce n'est pas mon nom.
Je suis la dame du mur. La dame du mur, c'est beau. Et qui ai-je l'honneur de rencontrer ? Quoi ? Je te demande ton nom, ma chère. Oh, c'est Lucia. Quel étrange nom pour une petite fille. Ma mère disait que c'est un prénom lumineux. C'est si lumineux. Dis-moi, Lucia, que fais-tu là ? Moi et ma sœur avons été enlevées par la sorcière. Ta sœur ? Et quel est son nom ? Sombria. Ah ah ah, j'ai compris, quelle ironie, sombre et lumineux. Dis-moi, petite, la sorcière a dû te faire une proposition. Pas à moi, mais à Sombria. Il semble que ta sœur soit bien troublée. Je ne pense pas, nous attendons pour rentrer à la maison. Ah ah ah, Lucia, vous pourrez partir dès qu'elle aura eu ce qu'elle veut. Mais je peux peut-être t'aider. Et comment ? On fait un marché. Tu m'apportes ce que je veux et je te dirai comment sortir d'ici. Ça me semble équitable. Mais si tu te trompes, je te mangerai. D'accord ? Non, pas vraiment. Je ne pense pas que tu aies le choix, petite. Maintenant, je veux une chose traditionnelle. Alors, est-ce qu'une fleur, c'est traditionnel ? Ou est-ce qu'une carpe-coille, c'est traditionnel ? On va dire une belle fleur. Désolé, petite. Mais ce n'est pas ce que je veux. Ah, il m'a baisé ! Ah ! Ah, mais je suis décédé ! Continuez. Ah, les enfoirés ! Bon, maintenant, je sais ce qu'il me faut. Alors, il me manque les baguettes et le poisson. On va chercher ça vite fait. Apparemment, c'est le poisson hein, qu'il voulait. C'est un poisson traditionnel. J'imagine. Les baguettes, c'est là. Hop, on se tire. Regardez, là, le petit bonhomme pendu, il est normal. Et là, il baisse son bras. Quel enfoiré. Non. Couteau. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. C'est un couteau de cuisine. Oui, bon, oui, tu vas me manger, nanana. Mais c'est un beau sourire que vous avez là, monsieur. Ou madame, je sais pas. Vous avez de grands bras. Donc, peut-être que vous voulez un poisson. Oh, tiens donc. Un poisson mort. Bravo, Lucia, c'est exactement ce que je voulais. Et maintenant, je vais t'aider. Pour sortir d'ici, tu dois trouver le passage secret de la sorcière. Tu pourras le trouver derrière le bassin. Prends ce carreau, c'est une des clés qui te permettra de sortir. Maintenant, pars, j'ai faim. Mais voilà, mais c'était écrit tout ça. C'était évident. Bon, je suis désolé de cet épisode de merde. On n'a fait que chercher. Mais voilà. Donc ça s'arrête là, malheureusement. Mais je fais le prochain immédiatement. Donc à tout de suite.